Et bonjour Andrés, bonjour les amis, c'est Kaz, bienvenue en vidéo gameplay découverte sur Call of Hunter. C'est un jeu mobile gratuit, vous le savez l'été, j'aime bien présenter des petits jeux mobiles qui me plaisent, tout simplement parce que l'été, parfois on est loin de son PC, on est en déplacement, on est en vacances, on n'a pas l'occasion de lancer sa machine, et même parfois il fait tellement chaud que on chauffe avec le PC, que jouer tranquillement à l'ombre avec son téléphone, voire à l'extérieur, ça peut faire du bien. Call of Hunter, j'adore ce jeu, c'est un match 3, vous allez voir les match 3, je sais pas si vous connaissez le délire, c'est souvent des RPG. Plutôt bien écrit, dans lesquels vous allez combattre des ennemis, mais en faisant un peu comme du Tetris, donc c'est plutôt pas mal. Il faut réfléchir, c'est plutôt tactique, c'est vraiment sympa. Call of Hunter, je vous invite à y jouer en passant via l'app galerie de UI. Tout simplement parce que l'app galerie de UI disponible sur Android vous permet de profiter de manière quasiment permanente de bonus exclusifs, des grosses réductions sur vos achats, des points de fidélité, du cashback, etc. Donc si vous êtes un joueur mobile régulier, même si vous ne dépensez rien, vous avez de temps à autre des offres de bienvenue, des cadeaux promotionnels offerts. Et inversement, si vous dépensez un peu d'argent de temps en temps sur les jeux mobiles, sur les free-to-play, vous avez du cashback, vous avez des points de fidélité, donc vous gagnez à dépenser. Voilà. Je vous emmène avec moi sur Call of Hunter, mais avant je vous explique comment le télécharger. Pour télécharger l'app galerie de UI, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo ou de le copier-coller dans votre navigateur. La page officielle de téléchargement s'ouvre, cliquez sur installer, puis installer l'app galerie, voilà tout simplement. Une fois installé sur votre téléphone, il suffit de lancer l'application et d'accepter les conditions d'utilisation. Vous allez maintenant pouvoir créer un compte gratuitement. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Moi » en bas à droite de l'application. Maintenant, faites « Se connecter » avec le compte, acceptez les conditions, entrez votre date de naissance, entrez une adresse email valide. Voilà, confirmé, vous avez créé votre compte UI en quelques clics. En ce moment, avec l'app galerie de UI, vous bénéficiez jusqu'à 60% de réduction sur vos achats. Donc ne manquez pas cette offre exceptionnelle. Par exemple, si vous payez 1,99€ un coupon, vous gagnez 1€ in-game. Si vous dépensez 4,99€ in-game, vous récupérez un coupon de 2€ et ainsi de suite. Vous avez aussi un cadeau de bienvenue. Il suffit de cliquer dessus pour le récupérer. Bref, voilà, foncez, c'est toujours ça de prix. Voilà, on est in-game les amis. J'ai mon invocation du jour gratuite à faire. Qui est là, on va croiser les doigts. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, invocation épique, obtention d'un héros 4 étoiles garantie dès la première invocation x10. Invocation embrasée. On va rester sur l'épique, on y va. Invocation 1, vous avez besoin de 38 gemmes supplémentaires pour invoquer des héros. Ah merde, je pensais que j'avais un truc gratuit. Non, il est là, mon gratuit, pardon, dans mon invocation quotidienne, effectivement. On y va. On va tester ça, invocation quotidienne. Et l'autre, ça coûte quoi? C'est quoi comme ressource, ça? Je connais pas. Ah, de l'arme de clair de lune, j'ai pas. On y va, croisons les doigts. On a une larme qui tombe dans l'eau. L'arme d'invocation qui se m'embranle. Attention, qu'est-ce qu'on a de beau? Hook, 2 étoiles. Ouais, et c'est pas grave, mais au moins je l'ai. C'est parti, on va enchaîner les quêtes. Donc mon royaume est plutôt upgradé, je peux upgrader 2-3 trucs. Mon camp par exemple, j'améliore. C'est parti, on a pour 10 minutes. Ma carrière, pareil, j'ai lancé l'amélioration. On a la mine, j'améliore aussi. Non, je peux pas parce que j'en ai déjà 2 en cours d'amélio. Tant pis, je vais attendre. Terminer l'étape 2-3 de la campagne. Et c'est parti, on y va. J'y vais. Campagne 2-3 de la campagne, effectivement. On doit aller jusqu'ici, on est dans l'œil du dragon, rappelez-vous. On a réussi à tout faire en 3 étoiles pour le moment. On va commencer notre combat. Hop, je vais rester avec cette compo d'équipe que j'apprécie pas mal pour débuter. Elle est plutôt équilibrée. Je suppose qu'on pourrait vérifier. De grands brouillards bleus. Avez-vous déjà vu des gardiens aussi étranges, votre majesté? Je l'ai fait. 6 pieds sous terre. Angés par les lambeaux de leurs vêtements, ils pourraient être du premier âge. Vous voulez dire que ces sacs d'os pourraient avoir des centaines d'années? On dirait que c'est... Ils doivent protéger ce qui brille là-bas. Je parie que c'est vraiment précieux. Allez, on y va. On attaque des golems zombiesques. Gardiens antiques de type plante, donc ils n'aiment pas le feu. Donc s'il n'est même pas le feu, on va lui mettre comme ça, on va le comboter en feu. Ok, on est pas mal. On va pouvoir claquer ce truc là. On va pouvoir claquer ce truc là. On va pouvoir comboter ici. Bon. Je vais faire un truc de plante, c'est pas grave, j'ai pas trop le choix. Ça combotte tout de même. Là, il pique un peu lui, hein. Coquin. Allez, j'ai l'outil qui est prêt ici, en feu, on y va. Ah, j'ai cru que ça allait suffire pour le tomber, mais non.
Ouais, d'accord. J'aime bien ce qu'il te propose des trucs quand t'es trop lent. Allez, vague 1 sur 1, c'est fait, c'est facile. C'est efficace, c'est pas cher. Il est mort. Victory, 3 étoiles. Très bien. On a pas mal de trucs. Ah, ça c'est pour upgrader les bonhommes de nature. Roland, vous voyez ce que je vois? Ce sont des larmes de la nature. L'arme de la nature, vous voulez dire le trésor pour invoquer des esprits? Ok, donc là, les larmes, ça permet tout simplement d'upgrader, si vous voulez, vos héros. Hop, j'en ai récupéré 10 ici. Merci. Je continue. Bon, là, il t'explique que je peux faire les invoques avec. Ah, je peux en faire 10 d'un coup. C'est trop bien, ça. C'est parti. Allez, hop. 10 invoques nature. On croise les doigts, les amis. Normalement, on a un 4 étoiles assuré. Zach, 3 étoiles de feu. Ouais. Gwenda, 4 étoiles de lumière. Stylée, elle est stylée. Winslow, 3 étoiles de pénombre. Aladdin, 2 étoiles de lumière. Luca, 2 étoiles de feu, que j'ai déjà. Brenda, 2 étoiles d'eau, que j'avais pas. Elisa, 3 étoiles de... la nature que j'ai déjà. Floki, 2 étoiles d'eau. Hubert, 2 étoiles d'eau. Elena, 3 étoiles de feu. Et c'est pas mal. Ok, stylé. Très bien. Donc j'ai des doublons, des triplons. Je voulais savoir comment fonctionne mon système de doublons triplons. Et j'ai eu encore un autre héros, 4 étoiles en récompense de connexion. Encore, mais donc, ça fait que clignoter. Récompense. Très bien, je vous remercie, monsieur. Alors. Il me propose d'acheter des trucs, normal. On va faire un petit tour. C'est quoi ça, des événements en cours? Ah, c'est pour les invoques. Ok, on peut faire des essais de héros. Ça, je m'en fous un peu. C'est bien beau, mon brave. Mais calmez-vous, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux améliorer des trucs? Non, mais par contre, j'ai ça. Bienvenue à Antia. Hop, encore des récompenses. J'ai l'impression de... Sur les jeux mobiles, on récupère toujours trop de récompenses. C'est un peu relou. Mais bon. Alors. Mes héros. Est-ce que je peux les upgrader? Comment ça fonctionne? Quand j'ai des doublons, ça marche comment? Parce que là, j'ai eu un Floki x2. Bon. En tout cas, s'il en soit, j'ai essayé d'en upgrader. J'ai Elisa qui est là, qui était ma soigneuse. Qui est niveau... On peut aller monter jusqu'à 30. J'ai bien envie de la booster à fond. Voilà, elle est à 30. Je vais la laisser à 30. On peut faire une ascension, si bien nécessaire. Par contre, il y a un éveil. C'est quoi l'éveil? Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est comme il y a un plus 1, je peux faire un éveil. Très bien. Ok. Éveil plus 1. Protège l'utilisateur contre 20% des PV maximum pendant 3 tours lorsque la mana est plein. Vas-y. Ça, c'est fait. Donc, Elisa, elle est up. Qu'est-ce que j'ai d'autre en quelque chose de... Ah, Gwenda, elle est trop stylée. Gwenda, qu'est-ce qu'elle fait? Inflige 100% de dégâts à l'ennemi ciblé et aux ennemis proches. Et dissipe les améliorations dont il bénéficie. Il guérit le lanceur des sorts, les ailes proches. Ah, c'est stylé ça. Allez, je prends. Elle, je vais l'upgrader. Hop, jusqu'au niveau 10. Je peux faire l'ascension. C'est bon. Là, je peux plus l'upgrader. J'ai plus assez de potions. Ok. Donc, j'ai ma chère Brenda qui est 10. Brenda, je vais la garder. Elle va être dans mon top tier. Pour le moment. En haut, je vais upgrader AO. Inflige 225 dégâts à la cible et 100 de dégâts supplémentaires aux cibles givrées. Retarde l'action de la cible de 1 tour. Et inflige l'effet givré à la cible pendant 5 tours. Ah, c'est stylé. Allez. Elle, je la monte aussi. Voilà, je peux pas faire plus. On va continuer la campagne. Hop, je récupère mes bonus. 2 connexions, 2 chapitres, ainsi de suite. Ah, là, j'ai assez de potions, je pense, pour upgrader d'autres héros. Gwenda, elle est 10, j'aimerais bien la pousser un peu plus. Allez, on l'a montée à 16. Ok, je vais écho pour focus la petite dame. Oh là là, je récupère tellement de trucs. Je peux encore l'upgrader, je pense, avec toutes les potions que j'ai eues. On peut la monter au 22. Ok, ça c'est bon. Voilà. On va à la campagne. L'œil du dragon, 9 sur 15, ici. Je commence, et là, on va refaire une nouvelle compo. Je vire tout le monde. Donc, je garde Elisa,
qui est 30. Je garde ma chère Gwenda qui est là. Je garde Ao. Donc il me manque 2. J'aimerais bien mettre des bonhommes de feu. Donc j'ai le choix en 3 étoiles entre cette jeune fille qui est là. Elena. 14 coups. Et le fils de renard là. Inflige 50% de dégâts à la cible, inflige 50% de dégâts supplémentaires à une cible dotée d'un bouclier. Bon, je vais regarder cette cible pour le moment. Et un truc d'ombre, ça peut être bien. J'en ai deux là, niveau 3. Inflige 75 points de dégâts à la cible ennemi, 6 coups. Chaque coup a 6 de chance de réduire la précision de l'ennemi. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Inflige 75 points de dégâts à tous les ennemis en 3 coups. Chaque coup a 30% de chance de réduire la précision de l'ennemi de 10% pendant 3 tours. Ah, ça c'est très bien même. Allez, je prends ça. Et là, j'ai une équipe qui a 4582. Point de force. Allez, pas mal ma team. Allez, j'enchaîne. Comment pouvons-nous détruire quelque chose qui n'a pas de cœur qui bat, votre majesté? La lumière de Naya. Le pouvoir de la lumière enverra leur âme morbide au paradis ou en enfer. Est-ce que ça pourrait être le temple de Naya perdu? C'est là que les anciens forgeaient les pierres magiques autrefois. Attention, des têtes d'os. On y va. Alors, ils sont de feu, ils aiment pas l'eau. Il est d'eau, il aime pas la plante. Voilà, c'est fait. C'est fait. Ah, j'ai pas le choix, ça sera feu contre feu. On est bon. Dernière vague. Rasper. Ombre. Il aime pas la lumière. Il n'aime pas les plantes. Hop, ça c'est fait. Bon, là j'ai pas trop le choix, j'ai été obligé de comboter des trucs un peu moches. Ah, regardez. Je sais plus si elle touche. Ah, ça, c'est juste l'ennemi ciblé. Bon. Je vais cibler lui. Je vais balancer ma chère Gwenda. Et là, elle te l'a explosé en 2-2. Merci Gwenda, t'es la meilleure. Cool. Ah. Une petite fresque avec des dragons. J'ai vu cette fresque dans le livre des âges. Regardez les dagues, c'est notre histoire. Certaines histoires historiques apparaissent sur les peintures murales. Des dragons qui viennent aider les héros pour battre un grand méchant avec des cornes. Ok. Donc les dragons sont nos amis. Cela explique pourquoi ces squelettes portent les vêtements de chevaliers d'il y a 300 ans. Alors le dragon qui a sauvé le monde il y a 300 ans aurait pu se retrouver ici. Bon, on va le déterrer. On va le trouver. Allez, on continue. Ouais, le dragon, ça doit être vraiment le petit plus que t'équipes. Hop, petite récompense. De l'arme de nature. On y va. Malfort. On est bien. Est-ce qu'on est direct contre lui ou est-ce qu'on a plusieurs vagues d'ennemis? On a une vague avant. Ok. Alors, il y a des bonhommes de feu qui n'aiment pas l'eau. Ça tombe bien. Voilà. Et on a un bonhomme d'eau qui n'aime pas la nature. Boum. On est pas mal. On avance. Le boss. Balfour. Bon, qui ressemble au roi Léoric, qui est de type nature, qui n'aime pas le feu. Et bah c'est parti. C'est parti. Hop, j'ai déjà mon passage de feu qui est prêt à attaquer, on y va. Boum. Ça pique un peu. J'ai pas le choix, on va faire la nature. Hop, je vais claquer tout ce qui est nature, ça va débarrer un peu d'espace. J'ai mon personnage de lumière qui va attaquer, qui fout un petit coup de heal en passant. Hop, et là on enchaîne tout ce qui est feu, comme on peut. Voilà, là c'est pas trop mal, là je claque tout. Là il y a moyen que ça le finish, c'est bon, c'est finish. Très beau combo, x4. Cool. Alors les amis, je pense que là on va débloquer le dragon. Jetez un coup d'œil, une statue de dragon, il doit y avoir beaucoup de trésors anciens. Ne pensez pas au trésor, ce pilier sur le point de tomber. Sortons tout de suite. Soyez pas stupide Roland, il doit y avoir assez de moyens de... Ok, trésor. Piu, 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 piu. Incroyable, le dragon s'est réveillé. Ok, mon premier dragon. Drago, vous m'avez réveillé? Antia a besoin de moi? Oh, noble dragonnier. Dragonnier?
J'ai attendu ce jour pendant 300 ans. Moi, William Malfort, protecteur de dragons, je jure fidélité à vous, votre majesté. Ça fait 300 ans, Malfort, je sens l'existence des forces sombres. Il semble que Macabre répande à nouveau son chaos. Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Oh noble draconier, laissez-moi vous expliquer. Donc en gros, Macabre, c'est le grand méchant qui est de retour ici. Les dragons... On va être obligé de réveiller les dragons pour nous aider à combattre Macabre. L'entrée est ouverte. Poutez votre dragon. Ouais. Ah, faut le nourrir. Vous le nourrir avec quoi? Moi j'aime bien, mais je sais pas quoi je le nourris, moi. Vas-y. Ah oui, t'as des gros morceaux de viande, là. D'accord. Et ça lui fait augmenter ses compétences. J'ai nourri dragon, il est passé au niveau 2. Ah oui, puis là, il y a d'autres dragons débloquables. Ok. Système de compétences. On devra pouvoir en débloquer, et ainsi de suite. C'est vraiment pas mal foutu. Vous pouvez continuer votre aventure avec Drago. Ouais, bah j'imagine bien. Ok, attends. Déjà, j'ai des upgrades qui sont finis. Je peux pas, j'ai pas assez de... Là, la mine, je peux. Est-ce que je peux upgrade mon château ou... Non, j'ai pas assez... C'est des cailloux qui me manquent, c'est fou. Voilà, coffre quotidien, j'ai pas vu. Non, c'est toujours pareil. Offre du jour. Gratuit. Hop. Je prends. C'est gratuit, je prends. Je sais pas ce que c'est ça. Billet de butin. Vous permet de gagner certainement une table de campagne. Et des côtés cliquetés, toutes les récompenses. Ah, faut qu'on essaye ça. Donc si je fais par exemple campagne, que je vais ici, les sbires de Macabre, je clique ici. Bah, je peux juste faire commencer quand même. Ah, je récupérerai du caillou là-dessus. Alors là, j'ai Drago qui est avec moi. C'est quoi cette équipe là de ouf? À 150. Ok, donc on est sur un truc épique, c'est fait exprès. Je me disais putain, c'est quoi cette équipe où j'ai que des héros à 150? Donc ça a l'air d'être un truc fait exprès. Maintenant, je vais vous dire votre... Ah oui d'accord, c'est une histoire. Il y a de nombreuses lunes pendant la guerre abyssale, on m'a confié la tâche de défendre l'arrière-garde pour couvrir les traces de mon roi pendant qu'il menait une avant-garde de... Ok d'accord. Donc on est dans le passé. Le repère de Macabre se trouve au sommet de cette montagne de feu. Tout ça il y a 300 ans. Le dragon n'est toujours pas là avec la pierre de lumière. Nous avons encore des pierres du feu, de la glace, de la nature des ténèbres. Ayez foi en la lumière. En avant. Ok, donc ça c'est vraiment les héros antiques qui ont sauvé Antia il y a 300 ans. Donc on a l'histoire de ces héros. Dans une espèce de flashback. C'est pas mal, c'est pas mal foutu comme histoire. Donc là on joue les héros. Ce qui est bien, c'est qu'on on se contente pas d'avoir juste une cutscene, on joue un peu l'événement, c'est pas mal. Le concept me plaît. Alors, je vais écho mes ultis pour le seigneur des ténèbres. Ouh, il fait mal lui. Est-ce qu'il y en a qui heal? Inflige des dégâts, il ramène du mana. Tous les alliés subissent des dégâts en moins. Je pense quand même pas qu'on va me tuer. Non. J'ai l'impression que plus il y a de tours et plus ça va être long. Compliqué, non? Ah, j'ai un héros qui va crever. Allez. On arrive sur la vague 2, le boss. Et là, j'ai tous les ultis disponibles. Macabre, oh, c'est le gros boss, donc c'est le grand méchant. Vous vous battez bien Arthur, rejoignez-moi dans l'éternité et nous régnerons ensemble. Jamais, je préfère être transformé en poussière. Alors on va essayer de claquer un heal là sur les collègues. Ok, là je claque tous mes ultis. Là je claque tous mes ultis. Mes copains, mes collègues ont l'air d'être protégés. Gain de mana, gain de machin, gain de mishmush. J'ai des boucliers. Bref, je balance tout ce que j'ai. En bonne de brain. Et on y va. Voilà, combo de l'espace. Donc lui, c'est vraiment la lumière qu'il faut qu'on lui envoie dans les dents. Oula.
Par les dieux, il est trop fort. Mais non. Vous avez eu votre chance, Arthur. Maintenant, vous avez tous péri. Arthur, regardez, c'est le dragon. Ah oui. Et on peut effectivement charger le dragon. Donc on nous explique en gros le fonctionnement de dragon, qui est le dragon de lumière, que nous avons débloqué tout à l'heure. Ah ouais. Cette montagne de feu sera votre tombeau. Ok. Ok, ok, non, ça va le faire les amis, vous inquiétez pas, on est là pour gagner, vous le savez. Allez, il me faut des points de lumière là. Il me faut des points de lumière, mon Kaz. Si tu veux que ça avance. Et sauf que des points de lumière, j'en ai pas des masses. Allez, j'ai du ulti de près. Oula! Oh, il m'a fumé tout le monde. Ah, vous pensez qu'un dragon et vos jolies pierres pouvaient vous aider? Avec le pouvoir de la pierre lumière qui nous dit tous, nous engageons nos vies pour sceller. Pour vous sceller dans la montagne. Donc en gros, ils sont sacrifiés. Ok, c'est ça. Donc c'est le gros sacrifice que nos 5 héros ont fait pour sceller Macam dans la montagne, mais ils se sont sacrifiés. Et c'était il y a 300 ans. Je suis Drago. La bataille des abysses n'est pas seulement une histoire, je suis le dragon qui a combattu avec les 5 sages. Le mana de dragon n'est pas encore aussi puissant qu'il était il y a 300 ans, mais ensemble, je crois que nous pouvons le protéger. En retour, il vous aidera. Maintenant, écoutez, votre majesté, le dragon qui se réveille ne peut signifier qu'une chose. La force sombre est en pleine expansion et le dragon vous a choisi pour débarrasser Antia de ce flot imminent. Vous devez relever les défis de votre propre gré. Acceptez-vous? C'est le cas. J'accepte. Nous devons ramener l'ordre sur nos propres terres, à Chattingall. Et ben voilà, c'est stylé. Donc on a débloqué le dragon. Ouais, il est sympa le jeu. J'adore. On a débloqué le dragon. On a avancé dans l'histoire. On en a pris un peu plus sur l'histoire du jeu. Et on a des nouveaux héros, on a, je pense, la possibilité de grader la maison. Toujours pas, j'ai toujours pas assez de pierres. De toute manière, j'ai pas mon château de niveau 3. Et mon château de niveau 3, il manque des pierres. C'est ça. Et il me faut une mine de niveau 3. Hein. Je peux l'accélérer gratuitement. Ah, j'ai une accélération d'une minute, non je m'en fous. Alors je vais l'améliorer d'un coup avec 9 gemmes. Ce qui fait que je peux améliorer le château. Et ça dure 20 minutes. Ben voilà. Pas mal ça. Ok. Les amis, c'était Kaz sur Call of Duty. Dites-moi ce que vous en pensez. Lien en description si vous voulez me rejoindre. Profitez donc de la campagne App Gallery Huawei. A très bientôt. Bye tout le monde.